Je vais prendre 3 minutes pour parler, et je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, sur le meurtre manqué de Alexandre Douline. Donc, qui a impliqué sa fille. Donc, ce mec-là, idéologue, hein, comme on le sait, il se représente beaucoup avec des vidéos avec le tsar à côté. Donc, ouais, déjà, ça explique un peu où il va en venir, ce garçon. Voilà, pour lui, la Grande Russie, c'est ça. Voilà. Un maître, un patron et tout le monde au pas. Donc, son attentat a été revendiqué par un député de la Douma qui serait à Kiev. Donc, un député russe qui serait à Kiev. Peut-être déjà au-delà de Kiev, peut-être en Lettonie, en Estonie, peut-être encore plus loin, je ne sais pas. Mais sûrement dans ces zones-là. C'est pas loin. À première vue, il y a une armée de résistants russes. Voilà. Alors, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça, de cette résistance. Je me souviens d'un documentaire d'Arte qui parlait déjà de gens qui en avaient marre des ciborgues diurnes, et que cette jeunesse russe était prêt à aller à la manifestation, prêt à prendre je crois c'est 1 an, 2 ans de prison pour manifestation illégale contre Poutine. Donc oui, c'est possible que cette jeunesse, ne voyant que les choses n'avancent pas, à un moment donné, passe à l'étape suivante. En plus, c'est souvent une jeunesse qui est éduquée, qui a des niveaux d'études qui s'est passé par la faculté. Donc oui, c'est possible. C'est possible que toute la jeunesse étudiante n'ait pas fui le pays, et certains soient mis en mode résistance. Tout à fait. David Herman, de RL Cosmos, en parlait déjà, que les centres de recrutement de l'armée ont été attaqués, visés directement, mais dans les provinces lointaines. Donc là, on parle de poser une bombe. Donc là, c'est un niveau différent, on est d'accord. Hein. Il faut avoir des connaissances. Il faut déjà, un, pas se faire péter avec. Déjà, et avoir des connaissances pour faire un truc stable et qui ne va pas te péter à la gueule, mais va péter au moment où tu en as besoin. Voilà. Donc oui, c'est possible que effectivement une jeunesse de Russie soit passée à l'action. Et c'est pas en fait, j'y ai pensé déjà il y a longtemps, effectivement, que c'est là où deviendrait la clé du problème russe. Voilà, qui emmènera peut-être vers une nouvelle dictature, hein, différente, j'en sais rien. Voilà. Mais que, effectivement, ce qui pourra arrêter la guerre, parce que traiter un problème de politique intérieure, comme en 1917, et traiter un problème de politique extérieure, c'est compliqué en même temps. Bah, donc, pour le moment, j'en suis là, ma pensée. Et est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas durer? J'en sais rien, je peux pas vous garantir. Mais pour le moment, j'en suis là.